Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la télé démocratique. Débutons cette session du journal avec cet élément. Affaire Chérubin Okendé, l'ancien ministre des Transports et député national, s'est suicidé. C'est là les résultats des enquêtes des experts rendus publics. C'est jeudi 29 février 2024, soit plus de 6 mois après sa mort par la justice congolaise à travers le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou. Les détails dans cet élément suivi. L'autopsie qui a été faite sur les corps de Chérubin Okendé n'a révélé aucun traumatisme à part l'auto-infliction de la balle au niveau de la tempe et qui est ressortie de l'autre côté de la tête pour monter vers la vitre de la portière. Donc, vous retenez une seule douille a été retenu. Du reste, cela peut se comprendre. Parce que lorsque on se donne la mort, je ne crois pas que le doigt va encore avoir la puissance de tirer à nouveau. Donc cela se confirme. Je ne suis pas expert, mais c'est de cette manière que les experts ont pu conclure. Le corps n'était pas criblé de balles. Et il y avait une seule balle tirée de l'arme trouvée à côté dans le véhicule. L'arme appartenant à son garde-corps et tiré à partir de la tempe à bout touchant. Donc, les canons étaient sur la tempe. La deuxième chose que je voulais aussi peut-être se dire, mais de manière un peu plus claire, éclaircir, c'est quoi? L'agenda trouvé dans le véhicule a eu ces mentions « Je suis au bout du rouleau ». Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui et pourquoi, et c'était en présence de la veuve, ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. Et je vous ai dit, et c'est ça que vous devez retenir, que les enquêtes se poursuivent par rapport au problème dont je t'ai présentement de vous livrer le secret. Quels sont les problèmes? J'imagine qu'une personne ne peut pas se donner la mort en dehors d'un problème. Est-ce que ces problèmes ont été commandités? Est-ce qu'il y a des gens, de manière lointaine, ont pu tirer les ficelles qui ont amené à ce que l'intéressé ou la victime puisse donner la mort? Autant de questions qui restent encore à être éludées pour y trouver des réponses. Dans le reste de l'actualité, la situation préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, le cardinal Mbongo a reçu ce mercredi 28 février 2024 une délégation des missions diplomatiques qui s'est dit concernée par la paix dans la région de Grand Lac. C'est un élément de Patrick Kangako. Tout suivi. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point l'évêque métropolitain de Kinshasa. C'est dans cette optique que le cardinal Fridolin Mbongo a reçu une grande délégation composée du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans le Grand Lac, du haut représentant de l'Union africaine pour la région du Grand Lac, accompagné du groupe international des contacts qui réunit les envoyés spéciaux, des diplomates, qui suivent de près la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Ces derniers réitèrent leur appel pour une solution pacifique dans la partie est de la RDC. L'objectif de notre mission, c'est de réitérer notre appel à la retenue, à la raison, pour contribuer à une désescalade rapide des tensions. C'est cette désescalade qui nous permettra de voir plus de chances aux efforts diplomatiques et politiques pour éviter que la région des Grands Lacs ne retombe une fois de plus dans une situation désastreuse avec une régionalisation des hostilités et des conflits. Donc nous sommes venus pour écouter Monseigneur, pour avoir ses éclairages, ses conseils pour voir comment la communauté internationale pourrait mieux
accompagner, appuyer les pays de la région du Grand Lac, la RDC et les autres pays pour contribuer à une meilleure perspective de paix et de sécurité. Cette délégation de la communauté internationale est préoccupée par la restauration de la paix dans la partie est de la RDC. Je pense qu'il faut avoir un réflexe historique pour dire que c'est grâce aux efforts de la communauté internationale, cette communauté internationale qui a toujours su accompagner et appuyer les pays de la région des Grands Lacs, la RDC aussi, pour restaurer la paix et la sécurité en RDC dans les autres pays de la région des Grands Lacs. La communauté internationale est pleinement engagée et mobilisée pour favoriser tous les efforts politiques et diplomatiques. Cette délégation, composée d'une mosaïque de missions, estime œuvrer pour la restauration de la paix dans la région du Grand Lac. Plus question de l'Union européenne en République démocratique du Congo, jusqu'à ce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenne une décision conséquente. C'est la réaction de jeunes Kinois des différentes communes de Kinshasa à la volte-face qualifiée de l'Union européenne sur la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires suivis. La population de Goma et ses environs fait face à une criminalité préoccupante depuis plusieurs mois. Des hommes armés, notamment le Wazalendo, ces combattants des groupes armés locaux qui participent aux opérations militaires avec le FARDC. Des allégations que rejette le lieutenant-colonel Guillaume Djike, porte-parole du FARDC au Nord Kivu. Pour cette source officielle, aucun élément probant n'atteste que le Wazalendo ou FARDC soit impliqué dans ces actes criminels. On l'écoute, suivez. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe, mais je tiens à rassurer d'abord notre population que nos services spécialisés sont en train de travailler sur tous ces cas. Je voudrais aussi évoquer une autre chose. Lorsque vous indexez tout de suite les militaires ou le Wazalendo, c'est vrai que la zone est surmilitarisée et vous savez pourquoi, parce que notre ville d'abord est considérée comme une zone de transit. Nous sommes dans une zone opérationnelle et que les militaires arrivent par Goma et après ils vont en profondeur. Je tiens à rassurer ici à notre population, que ce soit les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, que ce soit les Wazalendo, ils sont tous pris en charge du point de vue logistique, ce qui ne peut pas les permettre de poser de tels actes. Vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de cela très longtemps, nos services plutôt spécialisés ont arrêté des bandits, des kidnappeurs. À notre grande surprise, c'est que parmi tous ces malfrats amenés ici à la 34e région militaire, il y avait plus de civils que des militaires. Cela explique que chaque fois qu'il y a une bévue, ce n'est pas forcément un militaire. Voilà pourquoi nous avons toujours parlé des hommes en uniforme, armés, mais non autrement identifiés. Seuls les services habilités peuvent, après leurs enquêtes, nous prouver qu'il s'agit réellement d'un militaire ou d'un civil. Vous êtes avec moi ici à Goma, avant la guerre. Opérait-il en tenue? Ben oui. Avait-il des armes? Mais oui, voilà pourquoi nous vous disons qu'il ne faut pas tout de suite indexer les forces armées de la République démocratique du Congo ou les Wazalendo. Déjà, lorsque vous dites que les Wazalendo érigent des barrières, moi je vous dis que
il y a déjà un ordre qui avait déjà été donné, l'ordre selon lequel aucun Muzalendo ne peut se retrouver derrière les lignes des forces armées de la République démocratique du Congo. Et cela a été fait. Je vous rassure et je rassure notre population que tout le monde est prise en charge sur le plan logistique et rien, alors rien, ne justifierait ces actes que vous évoquez. Autre actualité dans ce journal, dans sa note circulaire, l'autorité provinciale, les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général-major Peter Kirimwani fixe ce lundi les frais d'identification des véhicules avec vitres teintées d'origine. Une décision qui suscite la réaction de la société civile qui dénonce une mesure impopulaire et ciblée. Images et commentaires, suivez. Dans le communiqué rendu public le lundi 26 février 2024, le gouverneur Peter Kirimwami appelle tous les tenanciers des véhicules à la vitre teintée d'origine à les faire identifier à payer 20 dollars américains. C'est pour la sécurité de la province du Nord Kivu menacée par la guerre du M23 et de l'EDF. Cette mesure du gouverneur du Nord Kivu est commentée différemment. Pour Matesanane, président urbain de la société civile, le gouverneur du Nord Kivu ne devrait pas monnayer l'identification des véhicules à vitre fumée, vu que la population est dépourvue de tout et traverse un moment de guerre. Nous sommes contre le monnayage de l'identification et nous pensons que les mesures de sécurité au sein de la province, on doit mettre à contribution toutes les couches de la population pour arriver à éradiquer le banditisme urbain. Mais en ce qui concerne les groupes armés étrangers comme ADEF et les groupes terroristes M23, la population a déjà largement donné sa contribution parce que les enfants civils se sont déjà donnés eux-mêmes pour aider les temps. À les accompagner, à combattre avec le temps. Et je crois que ce n'est pas au retour, on ne devrait pas les tracasser leurs parents à ce sens, à les demander de l'argent, alors qu'on pouvait même identifier gratuitement. De ce côté, Edgar Matesso, analyste politique, explique que le paiement de 20 dollars américains par tout énoncé des véhicules à vitre et fumée n'est qu'une stratégie voilée pour rassurer la population victime de la guerre. La gouvernance militaire exige à ce que ceux qui veulent continuer avec leur voiture de payer au préalable 20 dollars ou même plus pourvu qu'ils continuent à circuler à bord de ces véhicules. Et la question qu'on se poserait directement serait celle de dire: est-ce que les bandits ne peuvent pas aller faire enregistrer leur voiture moyennant les 20 dollars? Et face à la sécurité qui gangrène la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire Peter Kirimwami avait pris la mesure d'interdire la circulation des véhicules à vitres fumées sur toute l'étendue de la province. Cette mesure accorde les privilèges seulement aux corps diplomatiques et aux organisations du système des Nations Unies. En société, dans la ville de Butembo, il s'observe une baisse sensible du prix de grains de maïs ordinaire sur le marché des ventes. Un seau de cette denrée qui coûtait 12 000 francs congolais s'obtient actuellement à 8 200 francs congolais. Suivez ces constats. 7 000 francs, c'est le prix actuel des seaux de maïs depuis quelques semaines à Butembo. C'est la suite à la grande quantité de maïs qui ravitaille Butembo, étant donné que la route Rutshuru-Goma est coupée par les rebelles du M23. C'est ce qui raconte cette vendeuse de maïs, tenancière des dépôts, au croisement de l'avenue des Martyrs et la rue d'Ampias. Le prix des maïs a baissé parce que la route de Goma est bloquée. Tous les véhicules viennent directement ici à Butembo. Du coup, nous nous retrouvons avec les maïs qui viennent de partout. Mais même si les prix baissent, nos fournisseurs en souffrent, car eux se ravitaillent toujours au même prix d'avant. Pour eux, il n'y a pas baisse. Cette autre vendeuse relate que, malgré la baisse du prix, la clientèle n'a pas haussé. Quand nos maïs passent trop de temps ici dans les dépôts, il y a des insectes
qui commencent à les attaquer. Les clients ne sont pas en train de venir en masse. Cette hausse du prix des maïs réjouit les habitants de Boutembo. C'est le cas de cette dame qui est venue acheter les maïs pour ses poules. Elle indique qu'avec cette baisse, elle nourrit ses poules aisément. Mais malgré ça, le prix d'une poule ne peut pas baisser. Je suis contente pour cette baisse du prix des maïs. Comme je fais l'élevage de poules, je sais qu'elle ne vaut plus manquer de nourriture. Pour nous, même si les prix des maïs baissent ou même montent, la poule garde le même prix. Les maïs est parmi les aliments les plus consommés à ville de Boutembo. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle est saisie des actes de corruption de certains prétendants candidats, sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province auprès de certains grands électeurs qui sont les députés provinciaux d'une part et d'exigences de sommes d'argent aux candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province en échange de suffrages par certains députés provinciaux. D'autre part, c'est un récit de Patrick Kangakuto suivi. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle est saisie des actes de corruption de certains prétendants candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province auprès de certains grands électeurs qui sont les députés provinciaux d'une part et d'exigence des sommes d'argent aux candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province en échange de suffrages par certains députés provinciaux d'autre part. La CENI rappelle aux uns et aux autres que la corruption constitue un acte répréhensible et une infraction prévue et condamnée dans le code pénal congolais. Quiconque s'y livre s'expose à des poursuites judiciaires. La CENI, conformément aux dispositions pertinentes des articles 10 alinéa 2 et 10 bis de la loi électorale, se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes en la matière en vue des enquêtes et éventuelles des sanctions exemplaires. La CENI invite les uns et les autres à une compétition électorale saine, loyale, juste et dénuée de toute forme de corruption et de fraude. Promotion de certains professeurs dont... promotion de certains professeurs dans l'enseignement supérieur et universitaire à Poukine. Association de professeurs de l'Université de Kinshasa critique sévèrement ces nominations émargées des règles et critères fixés dans la corporation. On écoute David Loubeau, président de la Poukine. Il y a certains dossiers, quand vous n'avez pas été chef de travaux, même si vous avez été assistant à CENI ou je ne sais pas, et quand vous voulez revenir et que vous avez une thèse, on vous donne une période probatoire de 9 mois. Si vous êtes accepté dans les premières étapes, la dernière étape, c'est cette étape-là de 9 mois. Et c'est l'étape qui nous permet de vous voir à l'œuvre parce que c'est une période probatoire. Donc, quand on ne vous a pas vu à cette période-là, même si on fabrique, parce que maintenant on est capable de fabriquer les éléments. Mais tout le monde sait que ce monsieur n'a jamais, ou cette dame n'a jamais fait cette période-là. Alors, vous pouvez monter et descendre. Le ministre peut tout dire, parce que lui, peut-être n'a pas de problème, parce qu'il a reçu les dossiers et qu'il croit très bien travailler. Mais qu'on nous montre, pour certains dossiers, où est l'attestation de la période probatoire. Deuxièmement, il y a toujours, comme moi-même, un séminaire qu'on appelle pédagogie universitaire. Et ce séminaire-là, vous ne le faites pas seul, M. Jean-Louis Vita. Donc, il y a quand même des collègues qui doivent citer que non, nous avons fait ce séminaire-là. S'il y a ces documents-là dans les dossiers, c'est que c'est de la tricherie. Parce qu'on connaît comment ces séminaires-là s'organisent. On n'organise jamais pour un individu dans son cabinet ou dans son salon. Non. Écoutez, j'ai dit que les ministres signent énormément d'arrêtés et contre lesquels on s'attaque très rarement. Je me rappelle la Pugna attaqué un arrêté il y a peut-être 2 ans. Et voilà un autre que nous attaquons.
Donc, il n'y a pas un problème d'acharnement, comme on l'a dit. Non, non. Qu'on nous prouve que X, Y a fait la période probatoire. Voici les preuves. Devant la conscience, tous ceux qui ont fait cette forfaiture, on peut tromper les amis, mais devant votre conscience et devant votre Dieu, parce que nous sommes tous des chrétiens. Est-ce que vraiment, ou ces dossiers sont bien menés parce qu'il y en a plusieurs? Donc, on dit que quelqu'un reste devant sa conscience. Non. L'issue n'est pas interconquise. L'issue a ses normes. Nous n'avons pas, à épiloguer, à pérorer sur les sexes des anges. Les choses sont claires. Et c'est la forfaiture, c'est une histoire de tricherie. Mais ces gens qui viennent à l'université aujourd'hui, comment ils ont appauvri les professeurs, hein? Ils ont été au pouvoir à gauche, à droite. Même dans les institutions, on décide du salaire du professeur. Ils ont décidé en notre faveur. Oh, on m'a dit, il ne faut pas quand même qu'on soit... qu'on... Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons complètement la boucle. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Je vous retrouve exactement ce samedi à la même heure, à la même chaîne et avec le même plaisir. Inch'Allah.